Alors, c'est vrai qu'au départ, moi, je suis peintre, dessinatrice, j'écris des histoires pour les enfants, etc. Et par contre, l'humour, pour moi, c'est une façon de vivre aussi. C'est-à-dire, c'est une façon d'envisager le monde. Et c'est pour ça que Olivia Cesari m'a demandé de monter sur scène quand le Sparti Comedy Club a été créé, sur une idée de Frédéric Balbino. Et quand je suis montée, dès la première fois, j'ai trouvé ça génial. Ça m'a beaucoup plu. Visiblement, ça plaisait beaucoup au public aussi. Et au fil des stand-up, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un personnage qui se détachait et un personnage qui était très apprécié, visiblement. Donc, c'est tout naturellement, j'allais dire, qu'Olivia Cesari a eu cette idée de me demander de faire un one-woman show. Dans ce spectacle, je campe un personnage qui est très romantique. Enfin, c'est un romantisme un peu particulier. C'est quelqu'un qui recherche le prince charmant, mais qui a une méthode un peu particulière pour le trouver. Ça traite notamment, principalement, des relations hommes-femmes. Dans ce spectacle, je suis attachante au sens propre comme au sens figuré.